Salut à tous, c'est Z-Squatter Gaming et on est de retour pour un retour aux sources sur FIV. C'est très bien que moi je suis anglais. Voilà, ça va pas être un défi ou quoi, c'est juste un retour aux sources. On va tenter de gérer, de faire des manches, de vous montrer des trucs si vous connaissez pas la map. Par exemple. Perso, je pense pas, je pense qu'ils connaissent. Moi je sais pas c'est quoi Kino Der Toten, c'est quoi cette map? C'est sur Black Ops 3, c'est du spoil. On va juste essayer de gérer, entre guillemets. Gérer, hein, pas comme la dernière fois où le gars il a réussi à crever manche 2, je crois, parce qu'il y a des zombies, ils sont sortis d'une fenêtre et tu dégoûtes. Ta gueule, c'est toi qui es mort. Non, moi je suis jamais mort. Toi t'es jamais mort. Mais quel sus 1. Quel sus 1. Pourquoi je peux pas passer? Mais n'oublie jamais leur nom. Non. Monsieur le Premier ministre Castro. Non. Arrêtez de faire votre dos. Attends. Écoutez, on dirait que quelqu'un essaie d'entrer. Non, sans blague, mon ami. Bon, on s'en bat les steaks. Oh, Alfred, salut. Alfred, Pourquoi Alfred? Je suis qui, moi? Je suis qui? Oh. Ouais, t'es Kennedy, je parie. Pas Kennedy. T'es Kennedy. Putain, t'es ministre de la Défense. Mon Dieu, protège-moi. Non, merde, on a échangé nos fenêtres. C'est pas on a échangé nos mains, c'est on a échangé nos fenêtres. La nouvelle émission qui a fait un carnage. Sur NT1. Je t'échange cette fenêtre en verre contre cette fenêtre en plastique. Est-ce que tu es content? Ouais, donc vous pouvez voir, hein, les zombies de Black Ops 5 sont vraiment gogol. Donc bien sûr, comme toujours, je suis en haut et Tom est en bas. Pas comme toujours. Bah, la plupart du temps. En mode zombie, pour, oui. Oui, voilà, pour les parties qu'on a fait. Oh, coucou. Bonjour. Bah, donc si vous voulez du fun et de l'action, vous regardez dans mon écran, hein, celui du bas, bien sûr. Et si vous voulez de la technique et du skill, vous regardez dans l'écran du haut. Non, Datosha, surtout. Et puis si vous voulez une vidéo super BG sur Five, vous regardez les deux écrans. Ferme ta gueule, tu m'as fait rater mon intro, là. Ce n'est pas une intro, mon gars, ça va être déjà 2 minutes. Oh, oui. Oui, donc regardez la planche qui sert bien, là, que dalle. Hein. Coucou. Normal, c'est le premier, c'est lui à la petite chaîne, là. Vous voyez, bah, c'est lui qui l'a posé. Regardez, il est content. Donc en fait, si vous appuyez sur la touche d'action auprès de ses téléphones, et ben vous avez... Vous pouvez lui appeler, vous pouvez faire un petit lui, alors. Casse-toi, mon gars, vous appelez le 5618. Putain, Bastien, qu'est-ce que t'as fait hier soir? Oh putain, j'ai saigné, mon gars. What? Ça s'enlève. Dans Five, c'est un nettoyage automatique, hein. Pourquoi il court? Peut-être qu'ils veulent plus voir ta gueule. Moi, je les comprends, en même temps. Bah non, il court. Allez, route. Oh, victoire. Bah, moi je suis secrétaire à la défense. Bah, c'est ce que j'ai dit. J'existe des balles. C'est ce que j'ai dit. J'étais le ministre de la défense. Je suis secrétaire de la défense. Non. Tommy Wesh. Oh, pas de double clack touchdown. Ah, mais ça, c'est le truc le plus récurrent que tu as dans Black Ops. Ouais, moi je vois pas. Bastien, arrête de péter. Et je pète pas, c'est la moquette. C'est la moquette. Ah, bah, tu vois, il a fumé de la moquette. On passe de dehors. Mais pas maintenant, faut se faire. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, à l'heure où nous jouons, il est. Je te rappelle qu'en fait, les heures elles changent pas du tout. Si. Hier, quand on a fait une vidéo, c'était déjà ça. Non, moi j'ai regardé l'heure de Hong Kong. À Hong Kong, il était pas cette heure-là, il était midi et quelqu'un. Ouais, mais là, c'est parce que tu sais plus. Ah non, mais s'il te plaît, cherche pas des excuses. T'es ministre de la défense, t'es pas ministre de l'horloge. Et toi, t'es le ministre des chiottes parce que tu attèves les merdes. Bah ouais, c'est oh, le clash! C'est pour ça que t'es mon ami, mon gars. Et vas-y, voilà, on est dans Clash Attack. Le clash. Oui, bah bonjour, je m'appelle Tom. Le gars, il surveille plus les fenêtres, je sens que tous les zombies vont sortir, ils vont faire, on va le tuer. Ah bah ouais, quand tu vois le monde, tiens! Ça se tourne à tes fenêtres, là, je crois. C'est quoi? Wouah! Tu fais encore de la merde, Tom. Vous voulez vous faire du point? Appelez Tom au 5618. Tom, le 5618. Je vous la porte. Mais pas maintenant, faut se faire des points. Mais 56, moi j'aime bien des points au 5618. Moi j'aime bien ouvrir des portes au 5718. Ah bah tu t'es foiré de numéro, on n'ouvrira pas la porte. C'est vrai. Oh putain. J'ai regardé dans l'annuaire, c'était ça en plus, hein. C'est l'annuaire qui est maman. Putain, ils arrivent déjà, les seuls. Comment je suis violent. Il y a un zombie violent qui est par terre. Tu vois, j'ai jamais eu autant de points. C'est genre le gag. C'est la première fois que tu vois fight, j'ai jamais eu autant de points. Boum, boum. Bam, 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 bam. Ah. C'est bien comme ça, si tu meurs, tu vas venir te réanimer facilement. Bam, 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 bam. Ouais, c'est moi qui dis ça. Mon Dieu.
Mais tranché, tu feras plus de points, ma biatch. Oh bah attends, bon, instantané, il a plus fonctionné pendant un quart d'heure. Ouais, mais c'est que temporaire. Oui, parce que si vous comprenez pas la référence, la mort instantanée, c'est que temporaire, bah. Jouez à Mob of the Dead et vous verrez que l'un des personnages dit c'est la mort instantanée, mais c'est que temporaire. Donc c'est pour ça. Ah, il sort de flippe! Donc ne vous en faites pas, si vous vous électrocutez avec un boîtier, ne vous en faites pas, c'est que temporaire. Bon, vas-y, je t'autorise. Ah, je me suis fait entuber, hein, non. On va ouvrir, moi je vois la. Oh non, je prends la MPL. Et donc on loue tout le temps l'ascenseur pour... Au revoir, au revoir. Purée, mon gars, comment... Eh, c'est ma fenêtre préférée, ça, oh. Donc Bastien fait souvent derrière, hein, moi je m'occupe de devant. D'accord. J'aime bien être devant. Sinon, ça va, tranquille. Bon, après, si j'ai besoin de lui, bien sûr, il peut m'aider. Hein. Peggy 18. Techniquement... Vous allez voir marqué en dessous de la vidéo, Peggy 18. Donc là, vous pouvez voir Monsieur Washington. George. Non. Je connais pas George. Il s'appelle Georgette. Non, non, ça c'est dans un... ça je lance une autre map. Oh. Quoi? Putain, j'en sais pas ce que c'est, oh. C'est une bombe, mais prends-la pas maintenant. Oh, une bombe, moi je veux la bombe. Oui, donc en fait, si vous le savez pas, Bastien c'est un fou des bombes. Non, non, mais voilà, mais dans les Black Ops, dès que je vois un bonus, moi je suis obligé de sauter dessus, là, direct, tout de suite. Peut-être mieux de descendre, là. Je sais pas, sixième manche. Mais non, là. C'est bon, bah... On est des BGM ou on est pas des BGM? Moi j'en suis un, mais toi j'ai un petit peu peur. T'as une merde. Non, viens, faut que je te fasse encore saigner. Allez, viens. Oh, c'est moi qui te fais saigner. Regardez, Bastien il saigne. Moi j'en mets pas mon sang, mon gars. Ta gueule, c'est le tien. Tu sers à rien. À part à saigner. Vous voulez vous frotter à moi? Eh ben venez. Oh oui. Munition au max. Non, c'est pas ça. Munition en max! À l'attaque! C'est en mode Mickey Mouse. Mickey Mouse? Et pourquoi Mickey Mouse? Parce que Mario Bros. Ouais, pourquoi Mario Bros? Parce que Mickey Mouse. Non, parce que Yoshi. Ah, yo, en espagnol ça veut dire moi. Chi, c'est le verbe chier. Alors t'es en train de chier, c'est ça, t'es aux toilettes. Ouais, parce que. En fait, moi j'ai installé une télé dans mes chiottes et je joue en écran scindé avec Tom qui lui est dans ma chambre. Bon, c'est vrai que ça sent pas très bon, hein, mais bon après. On a une bonne odeur. Sinon, la bombe à chiottes, ça existe. Sinon, quand Tom il ouvre la bouche, ça va être assez. Purée, j'ai pas l'habitude d'avoir des armes de merde à ce genre de manche. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, moi je descends quoi, au revoir. Double clack, touchdown. Ouais, vas-y, on y va. T'es vraiment une salope. Le zombie. Je savais que t'avais un air de pute, mais à ce moment-là. Le zombie, il est mort. Comme vous voyez, moi je suis généreux de la bande. Comme vous pouvez voir. Purée, mais viens! Bastien, c'est la pute de la bande. Viens, mon dieu! Mon gars, j'ai plein de balles. Bah, il y a une MP5. Bah oui, hein, moi je suis obligé de m'acheter des MP5. Bah ouais, tu veux faire quoi? Tu veux faire des boîtes? Bah ouais, je préfère faire des boîtes. Regardez, moi je suis le rapier de la bande, j'ouvre pas. On va ouvrir des portes, c'est bon pour les nuls, hein. Pour moi, je fais pas. Tiens, ils sont résistants, les salopes. On dirait toi. Ah non! Moi je suis résistant, mais je fais un salope. On va appliquer une technique là que bah, vous aussi vous pouvez faire. Hein. Quand vous ouvrez l'ascenseur, un surveille l'arrière, l'autre surveille l'avion. L'avion, ouais. Et si vous n'êtes pas bien organisé, bah, vous vous en battez les couilles. Voilà, un va arriver devant comme ça, vous allez pas comprendre. Bien sûr, cette manche là, on va aller activer le courant et faire des boîtes. Donc c'est le moment passionnant de la vidéo. Les tue pas tous! Les gars, je peux pas te protéger. Merci. Ah, j'ai des codes. Ah ouais. Je voulais attendre ouais, comme... Juste pendant qu'on prend l'ascenseur. Je voulais attendre comme ça, t'es en stress. Putain, ils ont déjà tout spawn de mon côté, les gars. Bah tiens, tu peux venir en plus, c'est bon. Ouais, d'accord. Oh la, ça arrive encore. Toi, je te laisse pas en vie. Mais je fais quoi là? Bâtard. Allez, oh, première boîte! Freeze gun. Déjà. Attends, moi. Putain, moi, je sais pas m'orienter dans cette map. Hein. Ah, c'est par là. Salut! Pardonne à tes ennemis, mais n'oublie jamais. Regarde, il y a des gollums. Hein. Regarde, j'ai déjà tué une bouboule. Bouboule.
Hey, casse-toi avec ton RPK. Ah, RPK, ça c'est une arme qui me plaît. Putain, y a du monde. Ah, Ogbar, ça c'est une arme qui me convient. Ah, bah, ouais. T'as la seule arme qui te convient, c'est le couteau balistique. C'est mon singe. Ouais, il va falloir interner Bastien. Bon, moi je vais m'acheter Masto. Hein. Ah ouais, peut-être ça marche aussi. Ça marche bien si on s'achète Masto. Mais non. Yes. Oh, le tarva. Je l'entends. Bon, je vais en profiter. What? Ah, Bastien, t'as un petit truc. Defcon. Est-ce que Bastien, tu peux venir allumer mon. Enfin, ouais, le piège. Defcon 4. Verrouillage de sécurité activé. Oh, je suis passé au-dessus. Bastien, mon ascenseur. Ah, tu veux que j'appelle l'ascenseur? Bah oui. Attends, parce que là, il y a un Gollum. Sinon, j'ai pas assez de points pour. Pour raffiner des points. Mais bon. Regarde, il y a un Gollum à la sortie. Je t'ai donné un cadeau. Allez. Oh, oh, oh. Bon, on arrêtera la partie. Enfin, on fera une deuxième partie à partir de la manche du Salopio. Enfin, à la fin du manche du Salopio. Bon, attends, parce que moi, là, je suis paumé. Bah, vas-y, reva dans l'ascenseur. Mais non, j'attends. Non, si tu veux. Alors, j'ai une RPK, l'arme très utile pendant la manche spéciale de cette map. Bah, ouais. J'ai aussi une MP5, l'arme très utile que tout le monde utilise. Appel. Tiens, il a même pas assez quoi. Bah, tu sais qu'il a pas payé tout à l'heure, hein. Hein, hein, je me rappelle pas. Ah ouais, c'est Tom. Est-ce que j'avais lancé une grenade? Boum. J'ai activé les Defcon. Oh, il m'a lancé, il m'a pété la probabilité de la sur reste moche et de. C'est vous qui l'avez appelé le. Un million. Est-ce que c'est la pute? Non. C'est pas la branche du Bastien. Tous les Defcon sont activés. Mais donc on a une technique, on a activé tous les Defcon sur celui-là et dès qu'on a. On a une technique, c'est un peu la technique que tout le monde utilise sur 5. Hein. Ah bon? Sinon c'est chaud quand tu vas accéder au Baga Punch. Hein. Oh, mince! J'ai spoilé à quoi servent les Defcon! Oh mon dieu! Oh bah tiens, personne ne le savait. Tac! Bastien, il a bien utilisé les singes pour rien. Ok, des zombies à ma fenêtre, là, je sais pas pourquoi. Attention! Bon, n'oublie pas, avant d'utiliser, tu te bandes. Hein. Ouais. Tu sais, je peux utiliser, merci! C'est dans le gars. Et donc, on vous donnera des conseils pendant la branche du PD, mais je pense que tout le monde les utilise. Hein. Non, non, il y en a, ils vont au couteau balistique. Non, tout le monde s'appelle pas Vodka. Non, non, il avait pas fait exprès, il avait perdu son toutes ses armes. Purée, bon. Mais j'ai pas d'armes, vous êtes des salauds. Est-ce qu'il est attiré par les singes? Non. Putain, je suis dans la merde, moi. Lance pas de grenade. Putain. Allez, sur Bastien. Il est sûr? Il est sûr? Oh putain, il est sur moi. Ah non. Va te faire voir. Putain, je fais du bon côté. T'es où, salope? Ah, le bâtard, il m'a ken. Vas-y, dépêche. Vas-y, cours. Mais non, faut pas passer par là, justement, toi. Après il va plus vite. Tue-le. Pêche. Je me vois, oui. Oh putain, il a fait demi-tour. Ah ouais. Oh le salaud. Tue-le, mon gars. Il a volé ma MP5. C'est bon. Ok, bah attends, avant de prendre le bonus. Les soldats. Non, normalement, t'as une voix qui fait les soldats. Ok. Donc ici vous avez un téléphone rouge ici. Est-ce que tu as amélioré l'autre arme ou pas? Parce que sinon j'améliore mon hurlement. Bah améliore les deux toi, vas-y. Vous voyez, moi oui, t'as peut-être le temps. Mais j'ai même pas assez de mots en fait. Ah oui. Attention, ils arrivent tous. Bah tiens. Ouais. Donc, ça va être chaud de se barrer là, j'en ai lancé quelques-uns encore. Allez, une bombe, tiens.
me suis pris un truc dans la tronche, ça fait très mal, je te raconte pas. Nous sommes en Defcon 1. Voilà. Donc on finit cette manche et puis après on va vous... Peut-être même avant, hein. On va vous laisser là. Bah tiens, fais gaffe derrière toi parce que je suis pas là. Sérieux? Ouais. Oh purée, ouais, ils arrivent tous sur ma gueule, quoi. Wow, on va se calmer là, ouais. Ouais, non. Didier mange déjà deux armes améliorées. Non, mais je suis qui là? Je suis Kennedy, mon gars. Je suis Kennedy. Putain, je suis Kennedy, mon gars, tu peux pas. Putain. Kennedy, quoi, oh. Tu sais qui frappe le président de nos jours, oh. Oh, tu m'as abandonné, toi, t'es un mauvais secrétaire, mon gars. Demain, mon gars, t'es à la rue, mais tu vas rien comprendre. Une salaire, c'est où tu te levais, mon gars. Attends, on laisse, va t'acheter Baston et moi je vais acheter Quick Revive. Ouais. T'as pas eu besoin de m'acheter Mastodon si j'étais resté en vie. Hein? Eh ben, des fois 4, ok. C'est comment qu'il s'appelle? Collision? Ouais, bonjour. Super. Attention, les zombies, ils sont... Ah non, ils sont moi. Oh non, c'est la manche du vieux, vite, faut que je le mange à tout le monde. Putain. Mais je crois que les armes spéciales, on peut les avoir en étant à deux, en étant deux. Enfin, on peut les avoir... Deux freeze-gueules. Ouais, je crois. Je pense pas. Je pense que ce serait bien. On peut pas avoir deux paralysateurs, je pense. Si tu fais un cheat code. Fais un cheat code, tu hack le jeu, t'as que des paralysateurs dans la boîte. Ouais. Voilà, t'aurais pu aller chercher le piège aussi, mais bon. Tu veux garder le zombie, faut que j'aille faire un truc. Quoi? Tu verras. Bah si je reviens au même étage que toi. Tu vois, mais le gars il arrive pas. Bon vas-y, donne-moi une claque, sinon tu vas faire genre vas-y, je suis triste. Ouais, je sais ce qu'il va aller faire. Les oreilles de Tom sont en train de mourir. Oh mon dieu, mon gars. Mais sa mère. T'as dit que Tom il va tourner en rond. On est à combien? Putain, 17. Cool. Bien. Ah mais c'est... dont les oreilles de Tom sont en train de mourir. Ah, des lombes, des chiffres. Ah. Et tu sais ce qu'il y a avec les chiffres? Ta gueule. Il y a des lettres. Oh, ta gueule. Chiffres, des lettres. Arrête, sinon je le tue. Je suis prêt. Reviens. Tu me prends l'ascenseur, mon gars. Bah, tu l'appelles après. Bah, ouais. Vas-y, t'attends de faire le tour. What? J'appuie pas sur le bouton sur joystick. Ah ouais, genre. C'était t'as bloqué le joystick. Parce que mes manettes à moi... Eh hey, Bastien, come on. Parce que même moi, mes manettes sont pas récentes. Hein. Pardon. Excusez-moi. Je suis à la rue. Excusez-moi. Non, j'ai largement de quoi faire, mais bon, je rache, ça sert à rien. Comme je le dis toujours, attention, ça sert à rien de racheter quelque chose qui est déjà en état de marche. Hein. Ok, bingo. Bon, alors, je parie que la petite salope, elle va... Voilà. Non, j'étais sûr, bah sûr. C'est parti, musique trop cool! Est-ce que t'as déjà récupéré le truc ici là? Ouais. Ou bah alors l'autre il est dans la pièce qu'on a pas ouvert. Ouais, bon attends, je reviens. Voilà, donc. Musique, j'espère qu'il n'y aura pas de copyright sur YouTube. Bah non! Tu sais que c'est possible hein? Oh putain, t'es pas sérieux mon gars? Ouais, cette vidéo est totalement sur TikTok. Mais non, mais stop, me faire tourner en rond, putain! Vas-y, viens. Appelle le. Donc merci hein, d'avoir visionné cette première partie. Y'a pas de copyright, c'est moi qui l'ai fait cette musique, t'entends pas ma voix. Ouais bon bref, on va essayer de vous parler pendant toute la musique hein. Donc on se retrouve dans quelques jours hein, pour la deuxième partie. Et on vous dit à bientôt et portez-vous bien surtout et ciao.